Bonjour. Voici donc le fameux vitrificateur V33. Comme vous lisez, j'applique un vitrificateur chêne moyen satin. C'est pour passage intensif. La marque c'est V33. Voilà. Comme vous le voyez, alors nous avons fait la moitié de la pièce, hein, comme vous le voyez ici dessous. La moitié de la pièce a été faite. Et là, nous sommes en train de faire l'autre partie. Voilà. Au départ, vous commencez au pinceau. Et ensuite, vous faites au rouleau. Voilà. Au rouleau. Alors, ce qu'il faut faire, vous alignez, hein, comme c'est du parquet à bâton rompu, j'insiste. Vous faites dans un premier temps, dans un sens. Et ensuite, vous le faites dans le deuxième sens. Il faut croiser votre rouleau, hein. Comme pour la peinture. Vous croisez le rouleau, vous voyez, le parquet bois absorbe la partie. Voilà. Et maintenant, dans l'autre sens. Pourquoi? Et bien sûr, pour que ça rentre dans la fibre du bois. Et puis que vous ayez une belle surface. Voilà, uniforme. Il faut bien mélanger les pots, hein. Bien bien les manger, les mélanger les pots. Voilà. C'est un parquet à bâton rompu. Et nous sommes en train de poser le vitrificateur V33, très haute dureté. Voilà, c'est un des meilleurs. Moi, je vous conseille celui-là parce que le résultat, il n'y a pas d'équivoque, hein. Il est garanti. Hein. Voilà. Vous voyez, les pourtours de la pièce ont été faits. Voilà. C'était très facile à faire, hein. Je vous conseille de le faire vous-même, hein. C'est poncer, puis ensuite vous peignez comme ça, hein. La pose du tricateur est d'une simplicité enfantine. Voilà.